Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, oui, je sais, vous allez me dire, t'as encore disparu, mais t'es pas régulier, et patati, je sais. Mais bon, dans la vie, on a souvent des problèmes. On a souvent des problèmes. Mais là, ça y est, c'est terminé, j'ai tout réglé. Donc là, c'est le vrai welcome back. Surtout que là, j'ai un gros programme à vous proposer pour les streams, pour le reste, pour ce qui arrive. En tout cas, installez-vous, mettez-vous à l'aise. Ça fait très plaisir de vous retrouver. Hein, vous le savez, je vous kiffe. Donc dans ce cas-là, générique, Lego. Bon alors, en ce qui concerne ma disparition, ça va être très très simple. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un problème de PC. Donc en fait, OBS n'a plus fonctionné et j'ai eu des galères de script, etc. Bon bref, problème informatique. Donc ça fait que j'ai vraiment pas pu... mais vraiment pas pu faire de stream, j'étais bloqué pendant un moment. D'ailleurs, je suis passé de OBS Studio à Twitch Studio, qui est plutôt pas mal. Je trouve qu'il gère très bien la webcam. Enfin bon, bref, ça c'est mon avis personnel. Perso, XSplit, j'ai pas vraiment kiffé. Mais bon, voilà, ça pour vous dire que là, actuellement, j'ai tout rebrandé. Les choses arrivent, je suis grave en train de bosser dessus. Normalement, les streams vont reprendre ce soir ou demain, en théorie. Donc ça, je vous laisserai voir ça, tout ça en story sur mon Instagram, sur TikTok, sur mes réseaux, en gros. Voilà, tout simplement. Et puis aussi, j'étais parti dans une mission de rebrander un peu ma façon de faire, rebrander les designs, rebrander mon logo, rebrander aussi mes montages vidéo, les rendre un peu plus dynamiques parce que j'ai remarqué, et en analysant, j'ai pu voir que vous étiez très peu à regarder toute la vidéo jusqu'à la fin. Alors je me suis posé la question, je me suis assis, j'ai pris le temps de réfléchir en analysant les chiffres, en regardant aussi la tendance, peut-être que ce que je fais n'était pas assez... tendance et pas assez dynamique. Donc là, du coup, j'ai changé un peu la formule. J'ai apporté un peu de vie dans les montages, etc. pour essayer d'un peu plus vous captiver. En tout cas, moi, mon intérêt, c'est de partager le plus de temps avec vous. Donc, c'était vraiment l'intérêt de tout ça. Là, entre le 1er août et le 31 août, j'ai une liste de jeux à faire. Vous imaginez même pas. Entre eux. Et je regarde à côté parce que là, je sais plus ce que c'est. Donc, Cyberpunk, Death Stranding, Demon's Souls, Devil May Cry, Elden Ring et j'en passe et des meilleurs. Et cet été, on va se faire des streams de jeux. On va streamer à mort, à mort, à mort, à mort. Et mon objectif, c'est de finir ma quinzaine de jeux pour 31 août. Donc si vous êtes chaud, si vous êtes avec moi, retrouvez-moi sur Twitch. Vous connaissez la chaîne, Aruno Eugene. En tout cas, je suis pressé de vous y retrouver. Je remercie tous ceux qui sont restés sub, qui m'ont envoyé la force, même si je ne streamais plus. Et ça, c'est un grand respect parce que c'est grâce à vous que ça continue à tourner, que les idées effusent et qu'on a l'inspiration de faire les choses. Donc, concrètement, merci à vous. Et surtout, ce que je tenais à dire, c'est qu'il y a pas mal de projets qui vont arriver. À partir de la rentrée, il y a des choses qui vont s'enchaîner, même au niveau des plannings de stream. À partir de la rentrée, il y aura un vrai planning de stream parce que j'ai vraiment bossé, j'ai vraiment pris le temps, j'ai vraiment pris du recul parce que je voulais vraiment faire quelque chose qui me correspondait plus. Parce que même moi, en voyant mes vidéos, j'ai trouvé qu'il y avait un petit bémol et je voulais donner plus de vie, plus d'attraction, essayer de plus partager avec vous ma façon d'être, mon bonheur de parler de jeux vidéo. Donc concrètement, c'était vraiment ça l'objectif de ce petit temps d'attente, etc. En tout cas, là, ça y est, ça revient. D'ailleurs, on va aussi reprendre les émissions, hein, le Solonar, avec les jeux solo narratifs, les Horror Game Show, parce que j'ai une liste de jeux d'horreur à faire avec vous. Incroyable, incroyable, et plein de jeux en coop, soit avec Onura et bien d'autres. D'ailleurs, en parlant de coop, y a Ninja Turtle, il faut absolument que je le fasse. Donc les gars, Tips, Pierrot, si vous voyez cette vidéo, faut vraiment qu'on s'attrape pour faire ça en stream ensemble avec Onura et bien d'autres, évidemment. Tout ça pour vous dire que là, tout ça, ça reprend, vidéo, gameplay, tout ça. Ça reprend et surtout à la rentrée, je vous promets et je vais essayer de m'y tenir parce que vous savez que YouTubeur c'est pas facile parce qu'en fait, et c'est ça aussi que je voulais dire. Attendez, j'ai un cheveu ou un poil, je sais plus. Pardon, excusez-moi. ce que je voulais dire c'est que YouTubeur, créateur de contenu, c'est pas facile et en fait, beaucoup s'y trompent. Beaucoup pensent que c'est simple, qu'il suffit d'arriver, faire ci, faire ça. Et en fait, rien que pour une vidéo, moi je vais vous dire ce que je fais pour une vidéo. Déjà là, je m'enregistre tout seul, sachant qu'il faut que je me cadre tout seul. Donc je m'enregistre tout seul, je fais le montage tout seul, j'implémente
des logos, j'implémente un générique que je fais aussi tout seul. Après, il faut faire les miniatures. Ensuite, il faut penser à faire le short sur les réseaux, etc. Au final, pour une vidéo, on peut passer au moins 5 à 6 heures. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Et beaucoup de gens pensent que oui, nous, les youtubeurs, parce que bon, moi, je considère pas faire partie du YouTube Gaming. Enfin, YouTube Game tout court. Et YouTube Gaming, peut-être un peu, parce que je joue. D'accord. Et que je parle de jeux vidéo. Mais je me considère pas en fait comme un acteur majeur, parce que j'ai encore une toute petite chaîne, etc. Même si je fais tout pour... Pour être là, pour être actif et présent, et surtout je fais tout pour partager avec vous. Donc effectivement, mais c'est vraiment pas facile. Donc beaucoup pensent que c'est simple, et certains pourront me dire ouais mais t'es là, tu fais des pauses, etc. On ne voit plus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très épuisant. Tenir un rythme comme ça, c'est hyper épuisant. Donc c'est vrai que c'est facile à défendre de son côté comme ça, mais je vous assure, si vous voulez essayer, faites juste une expérience. C'est vraiment pas simple. Et c'est vrai que des fois, ben, j'ai eu des doutes, j'ai réfléchi, je me suis dit est-ce que je fais les bonnes choses. Et c'est pour ça que des fois, ben, il y a un petit temps de hiatus. Donc les hiatus, c'est quand il y a rien entre les deux, hein. Il y a un petit temps de hiatus. Donc effectivement, ben, je préfère prendre du recul, réfléchir et revenir avec une formule qui pourrait mieux vous plaire, qui pourrait mieux vous correspondre, avec laquelle on pourrait peut-être mieux interagir. Peut-être que mon message en tant que youtubeur gaming, ou du moins en tant que juste fan de jeux vidéo, pourra mieux passer avec certains artifices au montage, etc. Essayer de donner vie à tout ça. Et concrètement, c'est ça mon objectif. Donc j'ai disparu, mais là c'est terminé, parce que je vous assure qu'à partir de bientôt, il va se passer des trucs super. D'ailleurs, il y a un projet qui arrive très vite. Normalement, je vous en parlerai dans les shorts et dans les stories, etc. sur mes autres réseaux. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si t'as kiffé la vidéo, laisse ton meilleur big bad pouce bleu. D'ailleurs, dis-moi et laisse-moi en commentaire comment tu trouves cette vidéo, le nouveau format, ce que je propose, etc. Parce que vous avez vu qu'il y avait plus de montage, plus d'implémentation, d'éléments, etc. En tout cas, je vous remercie à tous et à toutes de me soutenir, d'être là, comme toujours. Franchement, big up à vous. Et je vous kiffe. Mais comme je dis souvent, passionnons-nous les uns les autres, c'est très important. N'oubliez pas de me retrouver sur tous mes réseaux, Instagram, TikTok, Twitch, Haruno Yujin. Venez embarquer dans mon bateau, l'équipage vous attend. En tout cas, je vous remercie. Encore une fois, passionnons-nous les uns les autres. Et la gimmick de fin, je pense que tu la connais. Let's go!